Hello, bonjour. Aujourd'hui, je vais faire cette vidéo pour parler de William et Kate Middleton. Donc, je tiens à préciser que c'est en rapport direct avec Meghan Markle et le prince Harry. C'est pour ça que je le précise ici, pour montrer l'hypocrisie du couple Cambridge et l'hypocrisie de la famille royale. Donc, on vient de nous apprendre une bien bonne, c'est-à-dire que le prince William et Kate Middleton vont donc bientôt pouvoir faire peut-être de la télé, de la radio et aussi des podcasts. En fait, ils n'ont pas signé un deal avec une compagnie, ils ont juste demandé une patente pour l'appellation Earthshot, une appellation qui sera déclinée sur une vaste palette de médias, de multimédia, ainsi que de la podcast, de la télé et de l'Internet. Qu'est-ce que c'est que Earthshot? Earthshot, en fait, c'est le projet de William, que William et Kate ont lancé en début de mois. Il s'agissait en fait d'un projet de prix environnemental, c'est-à-dire qu'ils vont donner un montant de 50 millions en prix à ceux qui ont participé à l'amélioration de la planète, ainsi de suite. Donc, ceux qui ont activement participé, que ce soit de façon personnelle, à travers des fondations et des compagnies, à l'amélioration des méthodes de préservation de la nature. Donc, ils avaient annoncé ça il y a un mois et aujourd'hui, on vient d'apprendre qu'ils ont demandé à ce que soit patenté, soit protégé le nom Earthshot, de telle sorte qu'ils puissent l'utiliser pour une vaste, vaste palette de médias, tels que les vidéos, l'audio, la multimédia et la podcast. Dans leur intention serait de pouvoir l'utiliser pour faire des podcasts de temps en temps. Et qui dit podcast dit Harry et Meghan, parce que comme je le disais, on vient d'apprendre que Harry et Meghan ont signé pour une podcast. Les Cambridge sont en train de copier les Sussex. C'est aussi simple que ça, ils ne s'en cachent même plus. Et alors qu'on a critiqué Meghan et Harry pendant des années en disant que voilà, ils s'embarrassaient, ils étaient bas, ils voulaient devenir les nouveaux Kardashians, on voit le couple Cambridge faire de même. Et là, vous voyez, c'est passé sous silence. C'est une nouvelle qui est sortie. Ils ont mis ça en bas de page de site internet, de tabloïd, mais personne n'en a parlé. Mais c'est tellement discret, il faut vraiment aller regarder et chercher l'information pour tomber dessus. Donc, je suis tombée dessus par hasard et j'ai été choquée. Donc, quand vous lisez les commentaires sur, par exemple, les forums, sur les sites royalistes et conservateurs, ils sont tous insultés Meghan Markle, le prince Harry, pour avoir signé une podcast. Et là, on apprend que leur couple favori, les petits Cambridge, font de même. Ça ne choque personne. C'est tout à fait normal. On se demande pourquoi. Donc, il y a quand même une question de deux poids, deux mesures en ce qui concerne les deux couples. Pour un couple, c'est OK, il n'y a pas de problème, vous pouvez faire la même chose. Mais pour l'autre, non, vous êtes bas, vous manquez de classe, vous êtes nul, vous êtes ceci. Pourtant, ils font la même chose, mais on tape sur l'un, mais pas sur l'autre. Donc, c'est pour ça que je dis que l'animosité qu'il y a envers ce couple n'a pas de sens. C'est ridicule. Et ça devient tellement clair maintenant, c'est tellement visible. Et chaque fois qu'on tape sur Meghan, l'autre couple vient faire la même chose. Donc c'est un peu contradictoire parce que les Cambridge sont là pour copier ce que Meghan Markle et le prince Harry font en faisant de même. Les Sussex ont toujours une longueur d'avance sur les Cambridge. Donc il se pourrait qu'ils n'utilisent pas cette appellation Earthshot. Hein. Il se pourrait que c'est juste pour protéger le nom que personne ne puisse utiliser. Mais ça m'a quand même fait bien rigoler qu'ils puissent vouloir comme ça protéger ce nom comme Harry avait voulu faire pour Sussex Royal. Voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à cliquer sur like, à vous abonner pour plus de vidéos et à cliquer sur la petite cloche afin d'être averti lorsque je poste une nouvelle vidéo. Merci.